Mon sujet portera sur les augmentations verticales. Ces augmentations osseuses verticales ont toujours constitué un réel challenge dans le domaine de l'implantologie. Aujourd'hui encore, aucune technique ne fait vraiment l'unanimité. Nous allons voir quel peut être l'intérêt de cette régénération osseuse personnalisée dans ce type de reconstruction. Voici le cas que je me propose de vous développer. Alors, on peut déjà constater un défaut sévère et différentes techniques nous sont décrites pour traiter ce genre de cas. Les distractions ostéogéniques et les blocs osseux sont à l'origine associés à des reconstructions verticales de grande étendue, alors que l'ARG est plutôt réservée à de petites augmentations. Cependant, donc les distractions ostéogéniques présentent des taux de complications très élevés. Les blocs osseux ont tendance à se résorber dans le temps. La régénération osseuse guidée, quant à elle, a des résultats qui sont extrêmement variés. Dans la littérature, les résultats de cette régénération osseuse guidée sont très hétérogènes. En effet, tant au niveau des taux de succès, de 60 à 100%, que dans les gains osseux obtenus, de 2 à 7 mm. Ou encore en termes de complications, de 7 jusqu'à 46,7%. Dans ces conditions, avec ces chiffres, il est extrêmement difficile de tirer des conclusions. Ces résultats sont très hétérogènes parce que ces techniques sont également très hétérogènes. Vous pouvez voir toutes ces régénérations osseuses guidées ont des techniques différentes. Donc on ne devrait pas parler de l'AROG, mais plutôt d'ROG. En effet, donc, ces régénérations osseuses guidées comportent différentes phases et chacune de ces étapes pourra directement impacter notre résultat final. La première de ces étapes, qui est le tracé d'incision, qui sera classiquement crestal, mais qui pourra également être déporté en vestibulaire. Le biomatériau utilisé sera évidemment fondamental dans notre augmentation. Ensuite, si notre augmentation a une composante verticale, il sera vivement conseillé d'avoir une structure rigide dans notre greffe, qui pourra être soit au niveau de notre membrane, comme ici une membrane RPM, qui est une membrane armée titane perforée, ou encore avec des vis de tinting, ici ce sont des vis Umbrella, ou encore avec des grilles de titane façonnables en paire opératoire, comme ces grilles IPP Pharma, mais qui sont extrêmement chronophages à adapter et qui ne permettent pas toujours d'obtenir la bonne morphologie anatomique souhaitée. Adiantou nous a montré des magnifiques cas, mais dans la réalité, ce n'est pas extrêmement évident à obtenir. On a enfin ces grilles titane personnalisées, c'est-à-dire qui sont conçues directement à partir du scanner de notre patient, comme cette grille Ixos. Ensuite, on va choisir une membrane pour recouvrir notre greffon. Étape importante qui pourra être résorbable ou non en collagène natif, voire réticulé. Membrane que l'on pourra fixer, que ce soit avec des vis, des pins, ou éventuellement, dans certains cas, la suturer. Nous passons ensuite à la phase de la relaxation, qui est une phase cruciale de nos augmentations. Techniques de relaxation qui sont différentes en fonction du site opéré. Par exemple, sur cette image, nous sommes en lingual au niveau postérieur, molaire, et on va étirer les fibres du milieu hyoïdien pour avoir notre relaxation. Alors que dans ce cas, nous sommes à la mandibule en vestibulaire et on va pratiquer une incision délicate du périos pour pouvoir l'étirer sans léser les fibres nerveuses sous-jacentes. Cette bonne relaxation des lambeaux va nous permettre de suturer sans tension et de façon étanche notre greffe. Et c'est en partie grâce à Edsvan Urban, qui a beaucoup publié sur l'optimisation de chacune de ces étapes, que l'on peut affirmer aujourd'hui que les régénérations osseuses guidées ne sont plus réservées aux petites augmentations. Alors revenons à notre patiente. Patient qui s'est retrouvé avec un déficit osseux important suite à des pertes osseuses périimplantaires majeures. La patiente est adressée comme ça et nous pouvons voir au niveau du scanner, de ses coupes scanner, des pertes osseuses terminales autour de chacun de ces quatre implants. En l'état, si l'on conserve les deux prémolaires restantes, reconstruire jusqu'au niveau osseux original, c'est-à-dire cette ligne verte, n'est pas théoriquement possible. On ne pourrait greffer que jusqu'au niveau des septa osseux des dents adjacentes, c'est-à-dire selon cette ligne orange. Et c'est l'option qui a été retenue de concert avec notre patiente. Nous allons réaliser une grille Ixos, qui est une grille en titane personnalisée, qui est imprimée en 3D par fusion laser sélective, puis qui est sablée.
Ensuite, elle est conçue donc directement à partir du scanner de la patiente pour optimiser son adaptation. Dans l'industrie, ce n'est pas la seule grille qui existe. Il y a des alternatives. On peut avoir des grilles qui sont perforées ou non, en général en titane, mais aussi en pique pour certaines. Quels sont les gains osseux que l'on peut espérer avec ces techniques? Dans la littérature, les gains osseux rapportés, tant horizontaux que verticaux, sont de l'ordre de 6 mm. Cependant, les études portant sur les grilles XO sont encore relativement peu nombreuses, avec un nombre de cas qui est relativement restreint. 21 cas, vous voyez, pour Sagab en 2017, 10 cas pour 210 en 2022. Alors voici la grille, telle qu'on la reçoit au cabinet. Et à ce moment-là, on peut commencer notre régénération, on peut commencer notre intervention. Des incisions cristales sont réalisées et on va dégager nos émergences nerveuses, surtout pour pouvoir les protéger pour la suite de l'intervention. Et à ce moment-là, on peut essayer notre grille. On va l'essayer à vide pour vérifier son adaptation. Et de par sa conception qui est personnalisée, ça ne nécessite aucune retouche. Et c'est un gain de temps qui est vraiment appréciable par rapport à une grille osseuse qui est façonnée, voire à une membrane armée titane. Quel matériau utiliser maintenant? Alors, on sait malheureusement que le biomatériau idéal n'existe pas, mais son cahier des charges serait d'être à la fois ostéoconducteur, ostéoinducteur et d'être stable dans le temps. Alors, presque tous nos matériaux sont ostéoconducteurs. L'ostéo-induction, quant à elle, peut être amenée par de l'ostéotogène, voire des facteurs de croissance. Et cette stabilité temporelle nous est amenée principalement par des xénogreffes. Donc, pour réunir toutes ces propriétés, l'idée donc, est de faire un mélange osseux. Donc, nous allons prélever de l'ostéotogène à l'aide d'un micro-os, qui est un mini bone scraper, qui est extrêmement pratique, qui nous permet de prélever de l'os même par tunnelisation, que l'on va mélanger avec une xénogreffe, ici du bios, et avec un allogène qui est ici du puros. Nous n'avons plus qu'à charger la grille, puis on va la fixer sur notre site opératoire. On la fixe avec des vis profixes, donc 3 vis de 3 à 5 mm suffisent. Comme c'est stable, on n'a pas besoin de le fixer en lingual, ce qui nous facilite la chirurgie, ce qui n'est pas le cas avec une membrane armée ou une grille façonnable qu'on est obligatoirement obligé d'aller fixer sur la partie linguale. Ensuite, nous allons effectuer la relaxation de nos lombos, ici en lingual, puis en vestibulaire, et on pourra déposer nos membranes collagéniques. Là, ce sont deux membranes BioGuide qui sont disposées par-dessus. Et la suture est assurée avec un monofilament 5-0, absolument sans tension. Voici le résultat post-opératoire, et on constate que ce résultat post-opératoire est conforme à la planification qu'on avait faite. Cette reproductibilité de notre greffe est un avantage vraiment de ces régénérations osseuses personnalisées. Vous avez encore ici quelques coupes scanner post-opératoire. On va revoir notre patiente, on va surveiller la cicatrisation à 9 jours, à 1 mois, et à ce stade, le risque principal, c'est vraiment l'exposition de notre grille. C'est vraiment la complication principale dans ce genre de technique qui, selon la littérature, arrive dans plus ou moins 25% des cas. Quand cette perforation, cette exposition a lieu de façon précoce, c'est extrêmement délétère pour notre greffe, on risque de la perdre complètement. Par contre, si cette exposition a lieu tardivement, c'est-à-dire au-delà de 4 semaines, on a des chances de conserver tout ou partie de notre régénération. Voici la cicatrisation au moment de la dépose de la grille. On est à 13 mois. On aurait pu attendre un peu moins, mais la patiente était à l'étranger. On commence la réintervention et on dégage complètement notre grille. À ce moment-là, on peut déposer les vis, qui se déposent très facilement, en tout cas beaucoup plus que la grille elle-même, que l'on a dû découper en multiples morceaux, c'était un petit peu fastidieux. Sous cette grille, on retrouve un tissu mou, qui est décrit dans la littérature comme un pseudo-périoste. Son rôle est encore pas très bien défini, mais il est constitué de tissus conjonctifs denses et de vaisseaux. Et ce pseudo-périoste est également décrit sous les membranes armées. Alors, souvent un petit peu plus fin, mais il existe aussi sous ces membranes armées. Une fois qu'on a retiré notre grille, donc on a un tissu néoformé qui a un aspect homogène et qui est dur. Cette morphologie arrondie de cette nouvelle crête osseuse serait extrêmement compliquée à obtenir avec une autre technique, avec une grille façonnable ou une membrane armée, par exemple. Au niveau histologique, pas de différence entre un os néoformé sous une grille titane ou un os néoformé sous une membrane armée.
On peut dans la séance poser des implants. Donc on a posé 4 implants à ce moment-là. Et voici le contrôle radio. Et on peut objectiver le gain osseux par rapport à la situation initiale. Gain osseux qui était en adéquation avec nos prévisions. Cicatrisation à 4 mois. Et à ce moment-là, 2 problèmes principaux. Pas de gencive kératinisée, plus de vestibule. Bon, il n'y en avait déjà pas, mais toujours pas de vestibule. Quand on tire sur la lèvre de la patiente, ça fait bouger la langue. Donc au moment de la mise en fonction, on va devoir réaliser une chirurgie muco-gingivale pour apporter de la gencive kératinisée et approfondir notre vestibule. Voici la cicatrisation à 10 semaines, puis la cicatrisation à 4 mois et demi. Donc on se rend compte que l'environnement muqueux péri-implantaire s'est amélioré, mais on fera quand même une deuxième intervention muco-gingivale pour continuer d'améliorer ses résultats. On veut encore plus de gencives kératinisées et vraiment essayer de recréer ce vestibule qui était complètement disparu. Voici la fin de l'intervention de la deuxième chirurgie muco-gingivale. La patiente n'en voulait pas de troisième. Voici le résultat à 5 semaines et le résultat à 8 semaines. Et à ce moment-là, on peut passer à la conception de la prothèse d'usage. Prothèse d'usage qui est réalisée et qui est essayée. Ce sont les photos du premier essayage. Et je tiens à remercier vivement Sébastien Charmeux, mon prothésiste, qui a réalisé cette prothèse et qui a travaillé jusqu'à très tard mardi soir pour que je puisse faire les photos du premier essayage hier. Pour conclure, je laisserai la parole à Marcus Seller, qui est l'inventeur de cette grille Ixos, à qui j'ai demandé de nous expliquer brièvement les raisons qui l'ont amené à développer cette technique. Chers collègues, le docteur Alexis Blanc m'a demandé de vous présenter brièvement comment j'ai découvert la technologie de la régénération osseuse personnalisée. Cela fait maintenant plus de 30 ans que je pratique l'augmentation. Dans mon travail quotidien en salle d'opération, j'ai toujours été confronté à de nombreux problèmes dans les défauts complexes avec les techniques connues à l'époque. C'est pourquoi en 2006, j'ai essayé de surmonter les inconvénients de certaines techniques. Il s'agissait en particulier le contour anatomique individuel de l'augmentation, résorption inacceptable, surtout dans les blocs d'os, le manque de stabilité du volume lors de la régénération osseuse guidée, accompagné d'un manque de précision du volume, ainsi que la prévisibilité du résultat. C'est ce que tous les patients souhaitent, et enfin la simplification de l'intervention chirurgicale grâce à des temps opératoires plus courts et une comorbidité réduite. Ma vision était et toujours d'obtenir une simplification significative pour nos patients dans ce domaine. Je vous souhaite à tous un congrès fructueux et vous remercie de votre aimable attention. Meilleure salutation à Paris de Stuttgart, votre Marcus Seller. Je vous remercie de votre attention.